Ben, ouais, si. Je vais essayer maintenant que j'ai réussi à trouver un système de la lui mettre. Alors. Voilà. Oh, Miss Bijou. Franny aussi a une gourmette qui est la gourmette de Mamie. Et celle-là, ça va, c'est la gourmette de. Hop, voilà. On va faire comme ça. Et voilà, mademoiselle, que tu es jolie. On va pousser ça là, quick. Ranger ces boucles d'oreilles là pour pas les esquinter. J'adore cette princesse. Alors, vous la trouvez comment, vous? Ma jolie soussou d'amour. Elle est trop belle. Trop belle. Elle est lourde. C'est un beau bébé. Beau bébé. Bienvenue, Swan. J'ai choisi le prénom Swan. Au départ, je disais, oh là là, Rosie, parce qu'elle ressemble à Rosie, ma petite fille. Mais j'ai un bébé rose et je trouvais que ça faisait beaucoup rose et Rosie. Et Swan, c'est un prénom que j'adore. Donc, bah voilà, c'est Swan. Bienvenue à Swan. Je cherche le sparadrap, en fait, vous voyez? Je cherche toujours quelque chose. Hein. Le beau, où il est? Ah, il y en a là. Hop! Je vais juste mettre un peu de sparadrap sur sa tétine. Voilà, Swan, je te mets ta tête. Elle a des jolies narines, je trouve, c'est trop beau. Et puis, comme j'ai eu beaucoup de chance, j'ai aussi été gâtée. Alors, je vais vous montrer. Il y a des choses, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'autre fois, je vous avais montré un liquide en velours. Xa s'était trompé. Ben, résultat, je vais le garder parce que je pense que. Un Swan, ça va pouvoir lui aller. On va essayer, ma foi. Si ça va pas, je l'enverrai à ma petite nièce Daphné. Et puis, j'ai des chaussures comme ça. Et ça, c'est parti. C'est Sandy. Alors, si vous regardez les vidéos, vous savez qui est Sandy. Qui m'a fait avoir plusieurs. Ah, faut que j'enlève les étiquettes. Elle m'avait dit. J'ai oublié. Qui m'a fait avoir pour vous, pour moi. Plusieurs paires de chaussures. Je vais essayer d'enlever la graffe. Par contre, j'ai trop peur de d'abîmer la peinture d'un bébé ou faire quelque chose. Voilà. Donc, elle a des chaussures cerises de taille un petit peu grande. Mais c'est pas grave. On fera des essais. Ça, c'est du 17. On m'avait dit, elle chose, ça chose du 19. J'avais entendu dans une vidéo de je ne sais plus qui avait une soussou qui avait dit 19. Ça me paraît un peu beaucoup 19 parce que 17 déjà. Ou alors c'est que mes chaussures taillent très grand. Mais peu importe, on fera le test. Ça, c'est pas important. Alors, on a une jolie paire de sockets blanches. On a un joli legging marin avec des petits nœuds rouges. On a un t-shirt, une robe t-shirt avec des petits chats et un tutu rouge. Alors, le rouge, ça lui va bien en plus, je trouve. C'est très bien choisi. On a un legging bleu marine. Et pareil, une robe avec des papillons roses et bleus. Donc, ben, pour l'instant, on ne va pas toucher tout ça. Ce qu'on fera, c'est qu'on habillera, on fera le premier change de Swan ensemble. Je vais lui donner son doudou. Hop, elle avait des jolies chaussettes, des jolies chaussures. Je vais les lui remettre parce que c'est trop beau. Et puis, je pense qu'avec toutes les baskets que j'ai, de toute façon. Ça peut fonctionner. Allez, on lui remet les chaussettes. Et puis, j'ai pas mal de choses qu'on m'avait offert en catimini et tout. Et c'est du 3 mois. Mais catimini, comme c'est souvent des leggings, ça va être tranquille. On pourra les lui mettre avec bonheur, quoi.
Alors, vas-y, cherche l'autre chaussette. Qui est là? Alors déjà, merci à toi. C'est très émouvant pour moi parce que, ben voilà, on ne fait pas les choses pour ça, quoi. Même si c'est super gentil, c'est trop, voilà. Et puis, félicitations aussi à l'artiste, à Audrey Gemma, parce que, je le dis souvent, elle a beaucoup de talent. Elle est charmante. En plus, moi, j'ai été voir ses vidéos, je vous en ai parlé. Il y a des bébés en silicone, sublime. Et ben honnêtement, Swan, alors on aime toujours nos bébés. Hein. Quand je dis ça, faut pas penser que je pense que les bébés des autres sont pas beaux, ce serait pas vrai. Je le pense pas en plus. C'est que tout autant qu'on est, ben nos bébés, c'est nos bébés. Donc Swan, c'est pour moi la plus jolie des sous-sous. Même si elles sont toutes très belles, les sous-sous. En tout cas, je la trouve superbe. C'est un kit que je trouve très beau. Et elle reste toutefois bébé en étant grande. J'essaye de ne pas faire de bêtises. En faisant grande, elle reste quand même bébé avec ses petits cheveux, tout ça. Je trouve qu'elle est très très belle. Et elle a un regard bleu sublime. Elle a un bleu-gris, presque bleu marine, qui est super beau. Cet album, il est juste magnifique. Alors, je vous montrerai les infos d'Audrey Gemma. Et voilà. Il est trop beau. Je n'ai pas trouvé son certificat, mais il n'y a peut-être pas de certificat, je ne sais pas. Hop. En tout cas, il y a un joli dossier là pour ranger les papiers. Je trouve ça très beau. Alors Audrey, merci pour cette merveille, de m'avoir envoyé cette merveille. À toi, merci de m'avoir offert cette merveille. Ça me touche énormément. Enfin, bon, t'es pas bien. Hein. T'es franchement pas bien. Hein. C'est fou, quoi. C'est fou. Et puis, voilà. Je sais pas, je suis complètement retournée. Hein. Je dois bien reconnaître que je suis retournée. Et je vais pas lui remettre son ruban rouge. Je vais y mettre... Hop. On va prendre sa jolie petite brosse. Cette petite brosse à dents toute belle. Elle a un très joli qualité de cheveux. C'est un très beau mohair. Et en plus, la couleur est superbe, quoi. Voilà. Alors, elle est trop bien, cette brosse à dents. Ouais. On va lui mettre un petit bandeau tout brillant. Et voilà ma choupette. Et voilà. Eh bien, moi et mademoiselle Swan, on vous fait des bisous et on vous dit à très bientôt dans une autre vidéo. Encore merci mille fois. T'es une sacrée cigogne, quoi. Allez, bisous à tous, bisous à Audrey et bisous à toi. Et bisous à toi.